הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן, בן פגה ושמחה ננח נחמן, נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו, רק לישראל אמן. ערב טוב à tous, on est toujours très heureux de vous retrouver Yom Rishon, Balayla, dimanche soir, pour étudier ensemble la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu HaKadosh, pour s'imprégner de sa lumière, la lumière qui l'a répandue depuis 200 et quelques années maintenant, pour nos générations, pour les générations qui sont aujourd'hui les générations de la Géoula, les générations qui attendent la venue du Mashiach et qui la préparent au mieux qu'ils peuvent, chacun à son niveau, se bat contre son propre Yetzerara. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de meilleure façon de combattre le Yetzerara, ou il y a la seule façon en vérité de combattre le Yetzerara, c'est à l'aide de la Torah, de toutes les Torotes, et aussi, et en particulier pour la plupart de ceux qui se ressentent attachés au Tzadik Haemet, à Rabbeinu HaKadosh, à Rabbi Nachman de Breslev, qui sentent cette nécessité d'avoir cette source intarissable d'énergie qui vient du Tzadik, qui est encore vivant, comme tous les tzadikim, de génération en génération, malgré qu'ils ont quitté ce monde. En apparence, ils sont encore présents, ils interviennent, ils défendent, ils réceptionnent, ils aident. Là où ils peuvent, ils sont. Et c'est là leur Shavuatov, Refoshenema du monde. Maintenant, Hachem, Refoshenema pour tout Am Israël. Comme je le dis à chaque fois, pas seulement une refoua du corps, mais surtout une refoua de l'âme. Les plus grandes maladies de notre génération sont des maladies de l'âme, sont des maladies qui habitent notre âme, la colère, l'angoisse, la peur, le stress, le manque de capacité de vivre avec autrui. C'est des vraies maladies, c'est les vraies maladies qui n'ont pas de nom, qui sont souvent cachées. Dans les familles, on ne s'en rend pas compte. À l'extérieur, on a l'impression que tout va bien, mais les gens sont abîmés de l'intérieur. Et c'est de là où Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé ce tzadik-là, le plus grand psychologue que je connaisse de toutes les générations, pas que j'ai fait particulièrement des études en psychologie, même si on a tous touché un peu à ce qui a été le monde rôle à une certaine époque de notre vie, que ce soit au niveau philosophique ou autre. Malgré tout, on sait que Rabbeinu, il est là, il nous apprend la source des choses. Et on veut, Bezrat Hashem, utiliser cette source-là pour notre bien éternel, pour faire les bons choix dans la vie. Vous savez combien le Tzerara est fort, combien il nous fait croire que certains choix sont justifiables, alors que selon la Torah, ils sont complètement contraires à la Torah. Des fois, ça nous est rappelé par nos enfants, des fois, ça nous est rappelé par nos femmes ou nos maris. Des fois, on n'a pas envie d'écouter, parce qu'on n'est pas au niveau d'écouter. Mais quelle grandeur quand même un petit peu on écoute. Même un petit peu on se remet en question, même un petit peu on accepte ce que l'autre a à dire. Quelle grandeur et quel avancement pour notre âme, pour l'éternité. Surtout dans ces périodes de vacances, on se retrouve en famille avec nos femmes, nos enfants, nos maris. Ou des fois, le quotidien de la vie quotidienne fait en sorte qu'on n'a pas forcément cette relation de proximité à chaque minute, toute la journée avec nos enfants, nos femmes, nos maris, lorsqu'on travaille chacun de notre côté. Et les vacances, comme c'est le chofesh, comme on avait dit la semaine dernière, en soi-disant on est chofchi, on est libre, mais on est en vérité soumis à d'autres restrictions, à d'autres contingences qui sont peut-être les plus importantes. Donc, dans cette même ordre d'idées, un peu comme on a dans la continuation du jour de la semaine dernière, alors, parce que je vais beaucoup boire aujourd'hui, il fait assez chaud, Baruch Hashem, en Eretz Israël, grâce à Dieu. On remercie Akadosh Baruch Hu pour le beau soleil qu'il nous envoie. Et par conséquent, on va essayer de continuer, comme j'ai dit, sur l'élan qu'on a eu la semaine dernière. Et d'abord, pour continuer sur cet élan-là, j'aimerais partager avec vous un shiur de Torah que Baruch Hashem Lénard, mon fils, il m'a appris ce Shabbat, en ouvrant, arrivé à la tefila de Arvit, à la synagogue, il a eu le sroot d'ouvrir un livre de Torah, alors que nous, on est en train de faire la tefila, il a ouvert un livre de Torah qui s'appelle Parparot la Chochma. Et dans ce livre de Torah, eh bien, il y avait un chidouche, un enseignement de Torah, au nom de Rabbi Menachem
Mendel Mikotsk. Et ce chidouch, il m'a beaucoup plu. Alors j'aimerais d'abord le partager avec vous pour ouvrir ce shiur-là. Et on va voir comment il s'imprègne évidemment dans la Torah de Rabbeinu et dans les références que je vais rapporter par la suite. Le chidouch, il est comme ça. On était dans Parashat avec Kevlas hier. En tout cas, on est Eretz Israël, mais je crois que c'est la même chose aussi en Chutz La'aretz. Et dans cette même paracha, alors il est écrit que Ekev, ce mot Ekev là veut dire le talon. Et Rachid sur place nous dit que pourquoi est-ce qu'on parle ici du talon? Pour toutes les mitzvot qu'un homme il aurait tendance à laisser de côté ou à ne pas ou à prendre à la légère parce que c'est des mitzvot qui sont petites à ses yeux, qui sont pas très importantes ou pas très difficiles à faire. Et donc il pense que bon voilà, une bracha par-ci ou bien autre chose, des mitzvot qui sont kalot, qui sont faciles, alors il aurait tendance à ne pas leur donner la valeur qu'elles ont. Pourtant, Rabbi de Kotz s'y rapporte qu'il y a une Mishnah dans Maseret Avot qui dit la chose suivante. La Mishnah elle dit comme ça. La Mishnah elle dit que un homme doit être zahir, c'est ça? Il doit être zahir, ça veut dire il doit faire attention, il doit être très minutieux pour les mitzvot kalot, pour les mitzvot faciles, comme les mitzvot chamourot, comme les mitzvot qui ont l'air très très importantes, on va dire, je sais pas, moi, Yom Kippour par exemple. Que ce soit, je sais pas, manger, faire attention à la Shemitah et manger ce qu'il faut manger, ou aller à la plage séparée, ou bien ce qui sont des grandes mitzvot, ou bien des choses très simples comme une bracha de Sheakol Nihavidvaro, ou bien une bracha chorona de Bourré Nefachot après avoir bu de l'eau. C'est les unes comme les autres. On ne connaît pas le sakhar de chaque chose. On ne connaît pas la valeur de chaque chose. On ne connaît pas seulement la valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais même au niveau du tikkun de la personne, de ce que la personne elle est venue réparer dans ce monde. Comme par exemple, Rabbeinu, il dit dans l'Écoute Moharan, il dit à propos de la tefila, il dit un homme, c'est très difficile pour lui de se concentrer dans la tefila. Du début de la tefila à la fin de la tefila, c'est très compliqué pour lui de se concentrer. Alors comment il doit faire cet homme-là? Il doit commencer la tefila depuis le premier mot et se dire que la première partie de la tefila, par exemple l'Ektoret, c'est ça son tikkun. Avant, dans une autre vie, dans des autres vies, il n'avait pas réussi à se concentrer dans cette partie-là. Donc il doit se dire, viens, je vais mettre tous mes efforts dans cette partie-là parce que c'est peut-être ça que je suis venu réparer. Et puis quand il a fini cette partie, il arrive Baruch Shamar. Et de Baruch Shamar jusqu'à Kriyat Shema, là aussi, il doit se renouveler et dire, peut-être c'est cette partie-là que je suis venu réparer. Et puis quand il arrive au Kriyat Shema, au Brachot de Kriyat Shema, alors il doit dire, peut-être c'est cette partie-là que j'ai raté dans une autre vie. Et etc., etc., en avançant petit à petit, il doit réussir à essayer de se concentrer le maximum qu'il peut, en se motivant, en disant, peut-être c'est cette partie-là que je suis venu réparer. Ça, c'est vrai pour la tefila, mais c'est vrai pour n'importe quel mitzvot dans la vie. On ne sait pas quel mitzvot on a raté, quel mitzvot on n'a pas bien étudié, quel mitzvot on n'a pas réussi à faire, qu'est-ce qu'on est venu réparer dans ce monde. Personne ne sait. Donc, le rabbi de Kotz rapporte la Mishnah, et vous pouvez y aller là-bas. Le rabbi de Kotz rapporte la Mishnah. Et il dit la chose suivante. Il nous dit, voilà, il y a une Mishnah qui nous dit que déjà, il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est important pour chacun. Toutes les mitzvot sont importantes. Mais qui peut dire quelle mitzvot est plus importante pour l'un que pour l'autre? C'est important pour Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était marié avec Sarah, comme tout le monde le sait, mais il avait eu juste Yitzhak. Il n'avait pas fait la mitzvah de Prouvou. Il s'est remarié avec Agar, qui est devenu Ketura après, qui a changé de nom. Mais pourquoi? Chazal nous dit sur cet événement-là qu'il voulait faire la mitzvah de Prouvou, c'est-à-dire d'avoir un garçon et une fille. Et il a eu d'autres enfants. Bien sûr que Yitzhak, c'était sa progéniture, c'était lui qui allait recevoir la terre d'Israël, c'était sa descendance, bien sûr tout ça. Mais il y avait une mitzvah qui s'appelle Prouvou, il ne voulait pas laisser de côté, il ne voulait pas la fouler du pied. Très bien. Dit le rabbi de Kotsk. Mais ça, on a vu dans la Mishnah, c'est presque évident. On n'a pas besoin que la Torah nous dise, fais attention à toutes les mitzvot. Mais les mitzvot, elles sont là pour comme on a expliqué, que Hachem veut tout nous donner. Il veut répandre sur nous la bonté, tout le bonheur qui puisse exister. Et les mitzvot sont là, elles sont tellement nombreuses justement pour permettre à l'homme de ramasser par-ci par-là des façons d'être récompensé. Parce que Hachem, il veut te récompenser. Donc si tu comprends ça, alors il y a une question qui se pose, qui reste fondamentale. C'est qu'est-ce que ce serait Kev? Qu'est-ce que c'est ce talent? Écoutez bien, le Rabbi de Kos qui dit, il y a une mitzvah qu'on fait avec le talon. Vous savez, c'est quoi la mitzvah qu'on fait avec le talon? La mitzvah qu'on fait avec le talon, dit le rabbi de Kotsk,
c'est la mitzvah de marcher en Eretz Israël. La mitzvah de marcher en Eretz Israël, c'est une mitzvah qu'on fait avec le talon. Dit le rabbi de Kotsk, les gens n'ont aucune idée de la valeur de cette mitzvah. Je ne parle même pas de vivre en Eretz Israël. Juste marcher 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres en Eretz Israël, ça suffit pour créer un ange. Chaque 4 amot, chaque 2 mètres qu'un homme y fait ou une femme elle fait en Eretz Israël, elle crée un ange. À chaque fois qu'il y a 2 pas à peu près, on va dire 2 pas et demi, qui sont faits en Eretz Israël, il y a un ange qui est créé. Dit le rabbi de Kotsk, mais vous réalisez, est-ce que vous réalisez les amis d'Isva qu'un homme il peut faire en Eretz Israël en marchant, même s'il vient en vacances, on va même pas dire qu'il vit ici. S'il vit ici, c'est encore une autre mal. Mais quelqu'un, il vient un jour dans sa vie en Eretz Israël. Vous savez, à l'époque de Rabbeinu, combien il s'est battu pour venir. Combien ça a été difficile. On fait en ce moment une série de cours sur la vie de Rabbi Nachman de Breslav avec Israël Torah. Baruch HaShem, j'espère que vous suivez. Et on voit combien ça a été difficile, combien il s'est battu, combien il s'est fait prendre pour un fou, combien on l'a insulté, on l'a traité de tous les noms, et il a pris Béhava, parce qu'il voulait monter en Eretz Israël. Il voulait ouvrir, en vérité, la porte d'Eretz Israël à tous les juifs du monde. Donc on voit, dit le rabbi de Kotsk, encore une fois, que les gens croient que cette mitzvah-là, elle est acquise. Aujourd'hui, je vais raconter une petite histoire au nom de Baba Salé. Un jour, il y a un homme qui arrive du Maroc et qui va voir Baba Salé, qui venait d'arriver en Eretz Israël et qui vient pour prendre une bracha, mais aussi un peu pour se plaindre. Et pour se plaindre auprès de Baba Salé, de lui dire, écoutez, depuis que je suis arrivé en Israël, moi j'avais la belle vie au Maroc, j'avais la maison et j'avais la femme qui travaillait pour moi et mon serviteur qui travaillait pour moi et lui qui allait me chercher le pain et lui qui me faisait. Et regardez, depuis que je suis ici, on dirait que c'est moi l'esclave et c'est moi qui travaille. Alors le Baba Salé, il le regarde comme ça, il lui dit, tu crois que moi, c'est facile pour moi? Il lui dit, je vois, Baruch HaShem, vous avez la maison, vous êtes étudié à la Torah. Il lui dit, mais tu sais c'est quoi la différence entre toi et moi? Alors Baba Salé répond à cet homme-là, il lui dit, c'est quoi la différence? C'est que moi, à l'époque où moi je suis venu, moi ça m'a pris 3 mois et demi pour arriver. J'ai pris le chameau, puis le bateau, puis le chameau, puis j'ai marché pendant des jours et des jours pour arriver en Israël. Vous savez quelle souffrance c'est à taille d'arriver en Israël? Toi tu as pris ta voiture, tu es arrivé dans l'avion, tu es monté en quelques heures, tu es arrivé en Eretz Israël, et tu viens maintenant, c'est normal, Eretz Israël, c'est une acquisition, c'est une mitzvah. Comme quelqu'un je rigolais avec quelqu'un ce matin, quelqu'un lui a demandé de lui rendre un service, de ramener des affaires à quelqu'un d'une ville à l'autre. Et il s'est retrouvé, alors qu'il n'aurait pas pensé au début, il s'est retrouvé avec ces affaires-là, qu'il a encombré, etc. Et il est en train de se plaindre un peu, enfin pas se plaindre, mais de dire, waouh, ouais, ça m'encombre, j'aurais jamais pensé que ça m'encombrerait comme ça. Je lui dis, mais c'est la preuve que c'est une mitzvah! Si c'était pas une mitzvah, ce serait facile. Mais si c'est une mitzvah, il y a un sachar, il y a une récompense, il faut que ce soit un peu difficile. Il faut que ça t'encombre un peu, il faut que tu montres que tu le fais pas par plaisir personnel, mais parce que tu veux rendre service à cette personne-là, parce que tu veux faire la mitzvah. Donc l'intérêt d'Israël encore plus. Que c'est une tellement grande mitzvah, que c'est tellement, on va voir ici dans les mots de Rabbi Nachman de Breslev, c'est une tellement grande mitzvah de venir en Israël, des fois même de venir en vacances, on vient pour un mariage ou quoi, c'est pas facile, il y a des gens, ils viennent et ils supportent l'avion et l'heure des avions ici, toute la difficulté, etc., etc., qui peut arriver, mais c'est pas pour rien, c'est parce que ça a de la valeur. Ça a de la valeur, vous savez que Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Chida, le grand-père, il y en a qui disent le grand-père, il y en a qui disent l'arrière-grand-père. En tout cas, il est de l'ancêtre du Chida. Rabbi Avraham Azoulay, il dit dans son livre Chesed de l'Avraham qu'à chaque fois qu'un homme il vient en Eretz Israël, au moment où il fait Kriyat Shema et il va aller dormir, on lui change sa neshama. Il y a une neshama du juif qui est celle d'Eretz Israël. Il y a une neshama du juif qui est celle de Chutz Laaretz. Donc, et à chaque fois qu'il revient en Chutz Laaretz, le temps qu'il arrive et qu'il dorme, on lui rechange sa neshama. C'est pour dire, encore une fois, la valeur de la chose. C'est vrai, en vérité, pour toutes les mitzvot. Ici, on parle de Haïkev, parce que c'était un très beau chidouche que j'ai appris ce Shabbat du Rabbi de Kotsk. Que c'est vrai, que c'est une des mitzvot qu'on fait avec le talon. Quelqu'un pourrait dire, quand on marche à la synagogue aussi, c'est une mitzvah qu'on fait avec le talon. C'est vrai. Mais le talon, il touche pas exactement la mitzvah. Ici, quand tu poses le talon sur l'arrière d'Israël, c'est ça la mitzvah. C'est ça la mitzvah, c'est les 4 amot. La preuve, c'est Rabbeinu Akadosh au bout de 4 pas. Il a dit à Rabbi Shimon, son élève avec qui il est venu, il a fait tout ce voyage de mois durant et toutes les difficultés qu'on a vues dans sa vie.
Il est arrivé en Eretz Israël, il a dit c'est bon, je peux repartir. Rabbi Shimon lui a dit quoi? Je vous ai accompagné pendant des mois, je me suis sué, ça a été difficile, on est presque mort dans le bateau, il y avait la guerre sur la route, et des pirates, et je sais pas quoi d'autre, et des tempêtes. Et vous, ça fait que 5 minutes qu'on est en Eretz Israël, on va repartir. Alors comme il voulait faire plaisir à Rabbi Shimon, et Rabbeinu il écoutait ce que chacun lui disait comme si c'était Dieu qui lui parlait, parce que c'est Mamash, c'était Dieu qui lui parlait. Alors il est resté, il est parti après ça visiter la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est resté un peu en Eretz Israël, dans le nord d'Eretz Israël, à Tibériade et autres. Il a fait quelques journées comme ça à Tzfat. Il est pas, il a eu quelques. Mais la vérité, c'est qu'au bout de 4 amot, 4, 2 pas et demi, il a dit c'est bon, j'ai fait ce que j'avais besoin de faire. J'ai créé l'ange que j'avais besoin, j'ai pris le da'at d'Eretz Israël. Et ça m'a suffi. Alors c'est au niveau de Rabbeinu HaKadosh. Donc des années durant, on pourrait vivre ici et ne pas recevoir ce que Rabbeinu il a eu en 2 pas. Mais c'est pour comprendre toute l'idée. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Il y a une Torah très intéressante. Moi j'aime beaucoup la Torah Zayin que vous avez sûrement déjà. Si vous ouvrez un peu l'Écoutez Moran, c'est une Torah très importante dans l'Écoutez Moran. La Torah Zayin là-bas, il dit Rabbeinu que Ikar HaGalut, l'essentiel de l'exil que l'on vit aujourd'hui, chacun d'entre nous, que ce soit personnel, au niveau nafshi, au niveau émotionnel intellectuel, et même en tant qu'âme juive de nous-mêmes, on est tellement influencé par comment les goyim y pensent et par comment ils nous ont éduqués à travers la télévision, parce que ceux qui avaient la télévision à l'époque à la maison, ou à travers l'école, ceux qui ont été dans les écoles goy, beaucoup d'entre nous au Maroc, en Tunisie, ailleurs, à la mission, etc., ils sont rentrés dans les écoles goy. Et ils ont été influencés, c'est rentré presque dans le sang de comment ils pensent. Ça s'appelle une galoute, ça s'appelle un exil. Et il dit que sachez que cette galoute-là, cet exil, que l'âme est là, que la personne, elle se sent pas à sa place. C'est un peu ce qu'on essaie de réparer lorsqu'on va chez les tzadikim, lorsqu'on va en Eretz Israël, on revient chez nous. C'est chez nous dans le sens que c'est la terre qui nous est promise par Hachem, c'est la terre dans laquelle Kadosh Baruch Hu est présent sans intermédiaire. Comme le dit le Zohar à propos du verset dans Asia Shir Moshe, que les bénis Israël lorsqu'ils sont ils ont traversé la mer, alors ils ont vu les Égyptiens mourir devant eux, et pourtant le verset dit qu'ils ont vu l'Égypte mourir devant eux. Alors le Zohar demande quelque chose d'incroyable. Le Zohar il dit comme ça, il dit mais Parashat Yitro, si vous voulez voir ce Zohar là-bas, le Zohar il dit: mais pourquoi est-ce que le verset il dit pas que les bénis Israël ils ont vu les Égyptiens mourir? Pourquoi il dit qu'ils ont vu l'Égypte mourir? Et de le Zohar de dire que chaque nation elle a un ange, que cet ange-là c'est lui qui permet à la nation et au pays de prospérer, de grandir, de se glorifier. Et d'où il sort son énergie, d'où il tord sa parnassa, cet ange-là, des mitzvot de la Torah des Juifs qui vivent dans ce pays. C'est pour ça que c'est tellement intéressant pour l'ange du pays de mettre dans les meilleures conditions possibles les juifs qui y vivent, pour qu'ils restent le plus longtemps possible, parce que c'est de là que vient Achav, donc l'ange de l'Égypte. Pendant toute la période où on était en Égypte, il se nourrissait des mitzvot de la Torah, et il y a beaucoup de pays qui ont compris ça. On a vu que souvent dans beaucoup de pays où il y a eu beaucoup de juifs et où il y a eu un exode des juifs, le pays s'est pas écroulé, mais on a vu que la gloire du pays, l'essor du pays s'est affaibli beaucoup. On a vu que les plus belles années par exemple, de l'Espagne, c'était avant l'Inquisition, c'était là où c'était le top de l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne, c'est un pays qui est comme un autre en Europe, mais c'est pas l'essor espagnol qu'il y a eu à l'époque. Quand il y avait le Rambam qui vivait, par exemple, à l'époque là-bas, on a vu dans les pays du Maghreb. Bon, bah, au Hachem, certains ont compris et ont respecté les Juifs. Et il faut comprendre aussi que c'est pas seulement les Juifs qui y vivent, mais aussi les Juifs qui y ont vécu. Ça veut dire qu'il y a des Juifs qui sont enterrés là-bas. Et aussi, ils continuent à nourrir le pays. Donc, le pays ne s'effondre pas complètement. On voit, par exemple, au Maroc, où le roi et même les Marocains, de façon générale, ont beaucoup de respect pour le peuple juif qui a vécu là-bas, parce qu'il y avait des gens très très bien qui vivaient là-bas, des gens Yerei Shamayim, qui se comportaient bien d'ailleurs, et qui ont protégé, vraiment, et qui protègent encore jusqu'à aujourd'hui, qui restaurent à leurs propres frais, moi je sais de première source, qui restaurent à leurs propres frais les tombes des tzadikim dans le pays, et qui acceptent que les juifs viennent visiter ces tzadikim, etc.
Donc il y a une possibilité, on voit qu'il y a, il y a une source, il y a des gens qui comprennent ça, ce concept-là. Mais ce concept, il est écrit dans le Zohar Kadosh. On n'a pas besoin de le voir férouche dans la vie pour savoir que c'est vrai, c'est Rabbi Shimon qui le dit. Donc Rabbi Shimon, il dit, c'est pour ça que ce qu'ils ont vu à Yam Souf, à Kriyat Yam Souf, c'est l'ange de l'Égypte qui s'est effondré. Et donc c'est sûr que tous les Égyptiens aussi, ils allaient s'effondrer aussi. C'était une conséquence naturelle, puisque les Juifs, tous les Juifs, il ne restait pas un Juif en Égypte, tous sont partis, et tous sont partis de là-bas, même ceux qui devaient être enterrés là-bas, tous ont été éliminés de là-bas. Donc on voit vraiment toute la nature des choses, combien... Vous savez, c'est pas un orgueil de dire que le peuple d'Israël, il a un rôle particulier dans ce monde. Celui qui connaît pas la Torah, celui qui l'étudie pas, qui comprend pas, alors il croit que c'est de la gava, ou c'est de l'orgueil, ou le peuple pour qui il se prenne. Mais c'est pas ça du tout. C'est que chacun, il a un rôle dans ce monde. Et le peuple d'Israël, il a un rôle particulier, qui est d'être le or des nations, la lumière des nations. C'est-à-dire, cette capacité-là qu'on a d'avoir les mitzvot, qui sont une proximité. Comme un fils aîné dans une famille, il a plus de, selon le judaïsme, dans la Torah, il reçoit plus de parts, par exemple, dans l'héritage, où il a une plus grande place dans la famille, entre guillemets, parce qu'il est plus proche des parents. Mais d'un autre côté, ça vient avec une contrepartie. Il a plus de responsabilités. On attend de lui qu'il éduque aussi ses frères et sœurs, qu'il leur montre l'exemple, qu'il leur truc. Parce que ça veut dire quoi? Tu prends juste le bien et tu laisses le reste? Non, si tu es le Bechor, comme on dit dans la Torah, c'est vrai que tu as des droits supplémentaires à tes frères et sœurs, mais tu as aussi des devoirs supplémentaires à tes frères et sœurs. Tu es censé plus t'en occuper, tu es censé éduquer tes frères et sœurs, leur montrer l'exemple, être là pour eux, ne pas, au contraire, au lieu de les frapper ou de tenir des trucs avec eux, ou te disputer avec eux quand tu es jeune, au contraire, les défendre et être mévataire, laisser faire, quoi. Tu es plus grand qu'eux, donc tu es celui qui... Donc dans tout ce principe là, il y a cette notion là du Béchor. De la même façon avec le peuple d'Israël, c'est le Béchor des nations, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça que la nature elle a été faite. On est la première nation. Il n'y a aucune religion qui dit que le judaïsme n'a pas été la première des religions. Même si tu veux croire en ce que tu veux, disons que tu veux croire en ce que tu veux, malheureusement, je pense pas que ça vaut la peine d'y croire. Mais on va dire que chacun, Hachem, il a fait naître dans une famille avec des idéologies, avec un courant peut-être. Mais toutes les religions admettent qu'il y a eu une religion première. La religion première, c'est la religion d'Israël. Alors nous, on n'a pas besoin de ça. Mais même les nations du monde, ceux qui ont réfléchi 2 minutes, ils comprennent qu'il y a une vérité qui est première. Après ça, qu'il y ait eu d'autres vérités, même si elles sont discutées, elles sont pas vraies selon nous. Ils peuvent croire en ce qu'ils veulent, mais tout le monde s'accorde à dire que s'il n'y a pas la base du judaïsme et de la Torah, il ne reste rien, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Il n'y a même pas d'autres religions. Il n'y en a même pas, il n'y a pas. Ça n'existe pas d'autres religions s'il n'y a pas eu la première religion. S'il n'y a pas eu cette Torah-là qu'on a reçue. Et c'est ça, c'est ça le vrai Aekev. C'est ça la vraie façon de mesalzel dans la réalité physique et pas seulement physique, mais métaphysique qu'un juif il doit vivre dans sa vie. C'est-à-dire qu'il est au-delà de ce que peut être la nature des choses. Et il doit, grâce à cette capacité d'être au-delà, aider le monde à être meilleur, à devenir meilleur, à se gérer mieux par sa prière, par le fait qu'il prie pour le monde entier. Vous savez tous que dans les synagogues, il prie pour le pays dans lequel ils vivent, et pour la réussite du pays, etc., et pour la protection du pays, et pour les récoltes. Moi, je me rappelle au Maroc, quand il y avait des problèmes de pluie, excusez-moi, mais les Juifs faisaient des journées de jeûne parce que le pays ne recevait pas de pluie. Et ils priaient toute la journée pour que le pays reçoive de la pluie, sans qu'on leur demande. C'était naturel, ils vivaient dans un pays, c'était un minimum d'Hakarat HaTov, de sentiment de remerciement vis-à-vis du pays, que de prier pour que ce pays soit considéré par Hachem. De par le fait qu'ils y vivaient. Donc on voit là, hein, toute la notion. Par contre, ça c'est une réalité, que toutes les nations, tous les pays du monde sont gérés par un ange. L'ange de ce pays qui a été choisi par Hachem, mais qui a été choisi comme intermédiaire. C'est-à-dire qu'Hachem, il est là, il est présent partout. Mais il a choisi un intermédiaire pour certains, pour tous les pays du monde, sauf pour Israël. Eretz Israël, pour celui qui vient, même en vacances, quelque part, il est sous la protection, sous l'œil, sous la vision,
du roi des rois, d'Hachem Itbarach, sans ange intermédiaire. Et voilà ce que dit Rabbeinu à ce propos. Da, sache, Kiaikar Agalut Eno Ela Bishvil Cheshron Emuna, que l'essentiel de l'exil, il est à cause du manque de foi. Si le peuple d'Israël avait foi en Dieu à 100%, tous, le Mashiach, il serait déjà là. Il n'y a pas une autre solution que ça. Parce que tout ce qui fait qu'on est à moitié à gauche, à moitié à droite, on n'arrive pas à respecter complètement ce que la Torah nous demande, et on essaie, on arrive des fois à le respecter, des fois c'est trop difficile pour nous, c'est parce qu'il y a un manque de foi. Il y a un manque de Emouna. Mais si la Emouna était à 100% chez chacun d'entre nous, ma chère, il serait là, il y a déjà très très longtemps. Donc il dit, c'est à cause d'un Chesron Emouna. Et il a une preuve. Il dit que la première galoute, la première exil, on a parlé de l'Égypte, c'est la première exil qu'il y a eu. Cette première exil-là, elle est venue à cause de quoi? Rabbeinu, il donne la réponse. Il dit, la Torah, elle nous dit à cause de quoi elle est venue, cette exil-là. Vous savez que Avraham Avinu, il a jamais posé de question à Hachem. Quand il lui a dit, quitte ton pays pour aller dans un pays qu'il connaissait même pas et qui allait être Eretz Israël, il a accepté, il n'a pas posé de question. Lorsqu'il lui a même dit dans la 10e épreuve, tue ton fils et amène-le, égorge-le, et il n'a pas posé de question. Il y a une fois où il a posé une question, et tout le monde se pose la question, mais pourquoi il a posé la question? C'est quand Hachem lui a dit, je donnerai à tes enfants la terre d'Israël. Il a posé une question, il a dit, Bama Eda, comment je saurai? Mais d'où tu poses cette question? Tu n'as jamais posé aucune question à Hachem, tu n'as jamais remis en question le comportement d'Hachem, ni la volonté d'Hachem. Pourquoi maintenant tu fais ça? Alors la réponse, elle est très simple, mais très profonde à la fois. La réponse, elle est que dans tous les événements de sa vie, lorsqu'il n'a pas posé de question, c'est parce que ça le concernait, lui. Et lui, il n'avait pas besoin de réponse. Lui, il savait qu'Hachem, il fait tout pour le bien, et il était prêt à sacrifier sa vie et la vie de ses enfants proches, c'est-à-dire ses propres enfants, son fils Yitzhak, pour la volonté d'Hachem, sans poser de questions. Mais quand il s'agit de dans 200, 300, 500 ans, ça allait être ses arrière-arrière-petits-enfants. Et il a vu par Ruach HaKodesh, par vision divine, que ses petits-enfants, ils allaient fauter, ils allaient s'éloigner de Dieu. Ils allaient peut-être pas mériter la terre d'Israël. Alors il a dit, mais comment je suis sûr que tu leur donneras quand même la terre, même s'ils la méritent pas? C'était ça la question de Avraham Avinu. C'était pas sur lui, c'était sur nous. Sur comment nous on va mériter la terre d'Israël alors qu'on n'est pas au niveau. Et Hachem, il lui dit, quoi? D'où tu poses une question? Mais je t'ai dit, je te promets la terre à tes enfants, qu'ils méritent ou qu'ils méritent pas, je la promets. Il dit, ah, tu as posé une question. Maintenant, pour qu'ils la méritent, ils ont besoin de faire un effort supplémentaire. Cet effort, il s'appelle descendre en Égypte, aller en galoute. Il faut un effort supplémentaire. Donc à chaque fois, en réalité, qu'un homme, il montre un manque d'émouna, il doit payer le prix de ce manque de Emouna. Pour Avraham Avinu, ça a été que ses enfants descendent en Égypte. C'est pour ça que Yaakov et ses enfants, ils sont allés, ils savaient qu'ils devaient descendre. Et ils sont allés de la meilleure façon qu'ils soient. Au moins, grâce à Yosef, ils ne sont pas allés les pieds devant, comme on dit, ou les menottes aux mains. Mais ils savaient qu'ils devaient y aller. Et ils avaient peur même de descendre de façon en tant qu'esclaves. Ce qui, grâce à Yosef, n'a pas été le cas. Donc encore une fois, on comprend de là que tout le travail d'un homme dans ce monde, c'est de grandir sa émouna. Si on avait tous une émouna à Chitova, alors nos comportements seraient selon ce qu'on a appris, ce qu'on sait, chacun à son niveau, mais au moins, quand on apprendrait quelque chose, on le ferait parce qu'on sait que c'est la volonté d'Hachem. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus cet empêchement du Yetzerara, mais tu comprends, tu as tes intérêts personnels et ton bien-être et tes vacances et ce que vont dire les autres et comment tu vas te sentir, regarde ce que les autres font. Tout ce qui est toutes les petites choses que le Yetzerara rentre en toi pour essayer de te convaincre que peut-être tu peux t'arranger avec la volonté d'Hachem. Mais ce qui est écrit, c'est écrit. Si c'est assourd, c'est assourd. Si c'est permis, c'est permis. Alors, tout n'est pas noir et blanc. Il y a toujours des zones grises. On s'entend. Mais il y a des choses noires, il y a des choses blanches. Tout le monde s'entend à dire que Rav Ovadia, il faisait certaines choses qui sont 100% blanches. Il se rentrait même pas dans les zones grises. Et Bilam Arasha, il faisait 100% noir. Mais il y a, Baruch Hashem, il y a des zones grises pour chaque niveau. Mais il y a des choses qui sont quand même blanches. Il y a des choses qui sont quand même noires. Donc, savoir que ne pas se laisser berner par le etc., c'est déjà un grand niveau. Et ça passe par la Emouna. Avoir foi.
que tu comprends pas des fois. Des fois, tu comprends pas. Tu dis, mais dans l'instant immédiat, j'ai l'impression que ce choix-là, malgré que ça rentre pas exactement dans la halakha, ça a l'air que c'est mieux pour moi, pour ma famille, pour mes. Tu te fais convaincre par le Yetzer. Mais en réalité, c'est pas vrai. En réalité, c'est du Yetzer, mais tu sais pas que ce choix-là, si tu l'avais fait de la bonne façon, ça aurait eu un impact beaucoup plus positif sur toi, ta famille, tes enfants, tes arrière-petits-enfants peut-être, juste parce que tu as respecté exactement ce que Hachem voulait de toi. Et que tu es rentré jusqu'au fond des choses, et tu as réussi à convaincre ceux qu'il fallait convaincre dans ta famille, dans les proches, que c'était la bonne chose à faire. Donc c'est ce qu'il dit ici Rabbeinu. Da, ki ikar galout, l'essentiel de l'exil d'un homme. C'est-à-dire même pas seulement l'exil en tant que peuple qui passe d'un pays à l'autre, qui vit dans un pays autre que Eretz Israël. Même en Israël, un homme il peut être en exil parce qu'il est en exil de lui. Il n'est pas à son plein potentiel, il réalise pas ce qu'il doit faire. Il ne fait pas les bons choix, il est tout le temps appris par le Yetzer Hara. Donc tous ces événements-là, ça l'empêche d'être à sa place. Et alors il est tout ça, c'est à cause de quoi? Parce qu'il est un manque de Emouna. Et ce manque de Emouna, il vient parce qu'il ne prie pas. Ou il ne prie pas assez. On a déjà expliqué que Rabbeinu il rapporte très souvent ce concept que la Emouna et la Tfila sont très très liées. La Emouna, la foi et la prière sont des choses qui sont extrêmement liées. Et que comment tu sais qu'un homme il a de la foi, c'est si tu vois comment il prie. S'il prie avec Kavana et chaque mot est important et il prend le temps d'étude, de prier, de parler avec Hachem, de faire Hidbo des doutes, etc., c'est la preuve qu'il est convaincu qu'il y a quelqu'un qui l'écoute en face. S'il pensait qu'il y avait personne qui l'écoutait en face, jamais il se permettrait de prier, de passer des heures à prier, il n'est pas fou. Et plus un homme il a de la Emouna, il a de la foi. Comme dit le Shulchan Aroukh, que quand un homme il fait trois pas en arrière, trois pas en avant pour l'Amida, il doit s'imaginer dans le Kodesh HaKodashim, devant le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit où le Kohen Gadol il rentrait une fois par année, à Yom Kippour, pour faire pardonner le peuple d'Israël. Et nous, on est censé faire ça trois fois par jour. Donc c'est dire que le peuple d'Israël est censé être écouté par Hachem. Il est écouté par Hachem. Mais ça dépend encore une fois de la Emouna que tu as pour ça. Il dit, cette Emouna-là, c'est la Emouna que tu crois qu'Hachem il t'écoute, qu'Hachem il est avec toi, qu'Hachem il veut t'écouter, il veut te répondre. Et si tu crois ça, alors tu atteins ce qu'on appelle le niveau des Nissim, des miracles. C'est-à-dire qu'en réalité, grâce à ta prière et grâce à ta foi, on avait expliqué ça au nom du Ben Israël la semaine dernière, tu peux vivre une vie de miracle. Une vie de miracle parce que Hachem n'est plus maintenant au niveau bas, on va dire, de la nature des choses, où il y a des règles, des astres et des influences astrales, etc., qui dirigent ta vie. Non, tu es au-dessus de ça. Parce que maintenant, tu es en contact direct avec le Créateur, avec celui qui dirige le monde, et avec celui qui bypasse le système du monde. Et ces Nissim-là, ils passent tous par Eretz Israël. Écoutez bien, même si on vit en Khoutzlaret, sachez que la prière, ainsi que les Nissim, les miracles qui découlent de cette prière-là, tous font un chemin qui est identique, quel que soit le pays où on est. Ils montent dans un certain niveau élevé du pays. Là-bas se trouve l'ange du pays qui prend sa taxe. Oui, sa taxe, la taxe d'habitation, on appelle ça. C'est la taxe que l'ange prend sur toutes les mitzvot, toute la Torah et toutes les tefillot qu'un homme peut faire. Sachez que les tefillot qu'il fera en Khoutzlaret, en dehors d'Eretz Israël, sont taxées. Elles ne sont pas à 100% recueillies par Hachem Yitbarach en Eretz Israël. Parce qu'elles ont été faites en Khoutzlaret. C'est déjà une grande perte. Mais c'est mieux que rien. Donc arrive le moment où elles ont été taxées. Et au moment où elles ont été taxées, au moment où elles ont été taxées, regarde par là-bas si tu peux ouvrir, regardez c'est qui. Au moment où elles ont été taxées, elle monte en Eretz Israël, elle monte en haut d'Eretz Israël, elle continue complètement jusqu'en Eretz Israël, excusez-moi, elle monte dans le pays, arrive chez l'ange du pays, sont taxés et continuent leur chemin jusqu'à Eretz Israël. Arrivées en Eretz Israël, elles ont un chemin particulier. Elles arrivent à Yerushalayim, puis à Yerushalayim. Shalom. 7h30, Bezrat Hashem. Alors, ensuite de ça, donc, elles arrivent en Eretz Israël. Mais derrière, on a fait une mitzvah, quelqu'un va venir prier demain, il sait au moins l'heure que ça va être demain. Vous voyez, Hachem, il nous envoie des mitzvot. Il faut pas les délaisser, on ne sait pas laquelle est importante, laquelle est moins importante.
Donc on a dit que elle arrive en, excusez-moi, donc on reprend le chemin. L'homme, il a prié, il a ouvert une Gemara, il a étudié en Chutz-Laretz. Cette mitzvah, elle monte, elle est taxée. Il y a une partie du sachar de la mitzvah, de la récompense de la mitzvah elle-même. Peut-être pas de la mitzvah elle-même parce que c'est très machloket. Est-ce qu'on peut toucher une mitzvah, quelque chose qui n'a pas de valeur, qui a une valeur tellement grande qu'il est impossible d'être touché dans ce monde? Mais il y a quelque chose qui est pris par l'ange du pays. Et pour qu'il puisse traverser jusqu'en Eretz Israël. Arrive en Eretz Israël, il arrive à Yerushalayim. À Yerushalayim, il arrive au Kotel, à l'endroit du Kotel HaMaharavi. Et du Kotel HaMaharavi, il refait le chemin jusqu'à Hebron, c'est-à-dire à Marat HaMarpella, là où sont enterrés Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Là-bas, il y a une entrée du Gan Eden, une entrée des mondes supérieurs, que cette tfila ou cette mitzvah ou cette Torah va emprunter pour arriver là où elle doit arriver. Après ça, évidemment, elle doit monter dans les mondes, etc. Donc, on comprend toute l'importance d'Eretz Israël. Donc, il dit, ben non, ici, Eretz Israël, il est central, quel que soit. Si tu vis ou tu vis pas en Israël, ça revient au même. C'est central pour la vie d'un juif. Quelqu'un qui croirait, malheureusement, ça va être, j'ai entendu des choses comme ça dernièrement, qui croirait qu'on peut être juif sans être attaché à la terre d'Israël, c'est impossible. La Torah est coulée à la terre d'Israël. Toute la raison pour laquelle on a fait ce Sefer Devarim dans lequel on est maintenant, tout le Sefer Devarim où on répète toutes les mitzvot de la Torah, c'est parce que les béné Israël vont rentrer en Israël et Hachem est en train de leur dire, vous savez pourquoi je vous ai donné toute cette mitzvot-là? C'est parce que vous allez rentrer un jour en terre d'Israël où vous allez faire ces mitzvot-là et ces mitzvot-là auront une vraie valeur en terre d'Israël. Une valeur qui peut-être n'elles n'ont pas en Chutz-Laretz. Donc c'est pour vous dire à quel point. À quel point quelqu'un y comprend la valeur de la mitzvah d'Eretz Israël, de vivre en Israël, ou même pas de vivre, seulement de venir faire quelques pas, comme on a dit, selon le rabbi de Kotzk. Et il continue, Rabbeinu, il dit, Veikar emuna bechinat tfila, l'essentiel de la emuna, c'est prier. Bechinat nissim, et l'essentiel de la prière, c'est de faire des nissim, de croire qu'on est capable de changer la nature, de pas être soumis à la maladie, lo aleinu, ou à la manque de parnassa, ou au problème de shalom bayit, qu'on peut changer ça grâce à la tfila. Et tout ça, l'essentiel, et non, et là, Béret Israël. C'est seulement en Eretz Israël parce que là-bas, c'est l'essentiel de l'élévation des Tfilotes. Donc on comprend tout le chemin qui peut être parcouru par la Tfila et par la prière et par le simple fait qu'on a une terre, en Baruch HaShem aujourd'hui, qui nous est accessible, même en vacances, même quelques jours dans l'année, qui peut nous permettre d'avoir une relation plus proche, une relation de proximité avec le Créateur. Il dit ici, pour compléter ce que je viens de dire, il y a une Torah aussi, la Torah Resh Chafret, pour ceux qui veulent qui vérifient dans le Écoutez Moran, j'espère qu'il y en a qui le font. La Torah, elle dit comme ça. Da she'akadosh baruch hu mistakel b'neshama she'tuchal lachazir b'nei adam b'tshuva ve'la'asot gerim. Sache que Hachem, il fait attention à chaque neshamot de Ham Israël. À chaque âme de Ham Israël, elle est précieuse pour lui. Il fait attention à la possibilité, à la capacité de chaque âme, mais pas seulement de chaque âme à titre individuel, mais de l'impact que peut avoir chaque âme sur les autres âmes de Ham Israël. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a une capacité d'influencer 10, 15, 20, 50, 2000, 10 000, pour ceux qui donnent des grands shiurim un peu partout dans le monde, etc. Il y a 10, 15, 20 000 personnes, des milliards de personnes, des millions de personnes, chacun à son niveau. Quelqu'un qui écrit des livres, chacun, son neshama, elle a un potentiel d'influence. Et Hachem, il fait attention particulièrement à ça. Pour savoir est-ce que le cadeau, le don, qu'il a donné à cet homme-là, qui lui permet d'influencer l'autre, que ce soit une famille, pour certains c'est juste restreint à un cercle familial, il y en a que c'est restreint à un cercle d'amitié, il y en a que c'est restreint. Ça, c'est des cadeaux qu'Hachem donne à l'homme, justement pour qu'il soit en capacité de faire son travail de rapprochement. Car sachez une chose, le plus grand cadeau qu'on peut faire à une autre personne dans ce monde, c'est de le rapprocher de Dieu. Le plus grand cadeau, c'est de l'aider à faire tchouva. Nous-mêmes, notre plus grand cadeau, c'est de faire tchouva. Mais le plus grand cadeau qu'on peut faire à un autre homme, c'est de l'aider à faire tchouva. D'ailleurs, dit Rabbeinu HaKadosh dans Sichot Aran, je voyais ça cet après-midi,
Dans Sikhot Aran, il dit comme ça, dans la section Ahava, dans la section Amour, il dit quelqu'un qui aide quelqu'un à son ami, ou son frère, ou sa sœur, ou n'importe qui qu'il connaît à se rapprocher de Dieu, cette personne-là, qu'il est en train de le rapprocher de Dieu, elle va commencer à l'aimer. Elle va l'aimer, il va avoir une Ahava, un amour qui va se créer pour cette personne-là, pour son rave, ou pour son ami qui l'aide à se rapprocher sincèrement de Dieu. Parce que c'est tellement une chose qui est que l'âme elle désire faire. Il dit chez Tuchal Arzir Bene Adam Betshuva Vela Asot Gerim. Non seulement d'être capable de ramener un juif Betshuva, mais aussi il y en a certains qui sont capables de faire des Gerim, c'est-à-dire de convertir des gens. Comme on a rappelé plusieurs fois sur certains Tanaïm dans la Gemara qui disaient un mot ou deux. Et les gens qui étaient loin, qui étaient même pas des juifs, même des idolâtres, ils laissaient l'idolâtrie, ils revenaient au judaïsme et au monothéisme au moins, et après ça à la Torah. Azay hu itbarar be'atzmo kaviyachol mevakesh ve'roei sheye machloket alav. Il dit à ce moment-là, lui-même, Akadosh Baruch Hu, il fait attention de savoir est-ce que oui ou non sur cette personne-là qui est capable, il va avoir tout de suite, puisqu'il est capable de faire cet effort-là, de ramener les gens vers Akadosh Baruch Hu, alors il y aura une machloket, il y aura des gens qui vont essayer d'aller contre lui. Qui en mekablin gerim limot amashiach velimé mimé shlomo. Pourquoi est-ce qu'il y aura il y aura une force opposée à son travail? Pourquoi il y aura ça? Parce que il y aura plus de gerim, il y aura plus de convertis au moment du Mashiach. De la même façon qu'il n'y avait pas au moment de la royauté de Shlomo à Meller, que quand tout allait bien pour le peuple d'Israël, on ne pouvait plus accepter des guérim. Pourquoi? Parce qu'on savait, on savait plus si c'était parce que vraiment ils voulaient se rapprocher d'Hachem ou parce qu'ils voulaient profiter de l'aisance et du fait que les Juifs, ça allait tellement bien pour eux dans la vie. Donc la même chose, quand Mashiach va venir, ça va être tellement extraordinaire ce qui va se passer pour le peuple d'Israël qu'on ne saura plus si c'est vraiment pour se rapprocher d'Hachem qu'ils font ça ou simplement parce que ils veulent être nantis de tous les bienfaits que Hachem déverse sur le peuple d'Israël au moment du Mashiach. De la même façon, dit Rabbeinu HaKadosh, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est difficile d'être juif. Même si c'est beaucoup plus facile qu'à certaines époques de pogrom, ou de la Shoah, lo aleinu, ou des choses comme ça. Mais quand même, c'est très difficile. Même celui qui vient venir vers Israël, il y a quelques semaines, on recevait des tchilim, et on recevait des bombes. Et c'est pas évident de vivre en entendant des bombes. Au Hachem, Hachem, il nous protège et qu'il continue de nous protéger. Mais c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire ce choix là. Qui en mekablin gerim limot hamashiach velimeshmo mishum shechulchan melachim. Donc on a dit pourquoi on fait pas ça, parce que ce sera une table royale à cette époque là qui maintenant on sait pas s'ils veulent juste manger à la table royale ou ils veulent vraiment être proches du roi. Qui az ena mitgayrim me'ava, parce qu'à ce moment là on sait plus si ils se convertissent par amour. Rak bechamat sheroin Gedulat Israël, ou bien si juste ils voient la grandeur d'Israël. Veikar gerim hu keshemit gairim be'et sheYisrael sechufim be'aroni vedorak. Exactement ce que vous avez dit. L'essentiel de la conversion, c'est quand ils se convertissent au moment où c'est le plus difficile pour le peuple d'Israël, où c'est difficile, où ils sont dans une situation qui est de galout, compliquée, où ils sont oppressés. Kemo shekatuv migar itach ba'aniuter. Comme c'est écrit dans Yeshaya, qui vit avec toi dans ta pauvreté? Ve'alken, bechrecha sheyeh machloket al mi shemachazir bnei adam lemutav umgayer erim. Et c'est pour ça que quand on voit qu'il y a de la machloket sur celui qui essaie de rapprocher les juifs du peuple d'Israël de Dieu, ou même les goyim du peuple d'Israël, kedesh elo yelo shum shalva, pour pas qu'il ait de la tranquillité, pour qu'il soit oppressé, pour qu'il arrête son travail, ki az mi shemitkarev elav hu behemet, vaza yachol legayer gerim behemet lo mishum shalom venachat. Il peut pas être dans le shalom ni dans le nachal parce qu'on veut pas que le Israël veut pas qu'il fasse ce travail-là. Et c'est ça qui écrit que Yaakov, il voulait vivre tranquillement dans le pays de son père. Et là-bas, tout de suite, on vient sur lui, dit le Midrash. Megure aviv, shehaya megayer, gerim, kemo avotav. Il était en train de, comme Abraham et comme Israël, il était en train de ramener des gens vers le judaïsme et vers la Torah et vers Dieu. Kemo megure aviv, ezechamo avotav, zechanagacha, vayeshev Yaakov, bikesh Yaakov, leshev, shalva. Yaakov, il a demandé d'être tranquille pour pouvoir faire ce travail-là. Miyat, kafat, alav, rugzo, shel Yosef. Tout de suite est venu l'épreuve de Yosef sur lui. Il a perdu son fils pendant plusieurs années. Il savait plus où il était. Il croyait qu'il était mort, etc. Pour pas qu'on le laisse faire ce travail-là. Haïnou mechamat Yaakov aya megayer gerim, bechinat megure aviv. Parce que Yaakov, il faisait ce travail-là de convertir
les gens à des éloyés à Chol les chefs de Shalva, qui des chiyu agerim bemet. Et pour ça, on ne voulait pas le laisser faire. Mais imi elo Shalva, lo yochal asot gerim, qui en mekablim gerim limot amashiyar. Donc de là, on comprend quoi? Pourquoi je vous ai fait le lien entre ces deux torotes? Parce qu'on voit là qu'il n'y a rien qui a de la valeur qui est facile. Il n'y a rien qui a de la valeur qui n'a pas une force opposée qui vient empêcher cette réalisation-là. Que ce soit au niveau personnel, vivre en Eretz Israël, faire des mitzvot, quelles qu'elles soient, même la plus petite, rendre service à quelqu'un, dès que ça devient une mitzvah, dès que c'est vraiment une mitzvah, et c'est pas juste pour gagner, qu'on vous aime bien, ou pour lui rendre service parce que pour qu'il vous doive quelque chose, que c'est vraiment une mitzvah, vous allez avoir de la difficulté. Soit vous allez perdre ce qui vous a prêté, ou ce qui vous a confié, soit ça va, vous allez faire un accident, non pas vous, mais il va avoir une difficulté, vous allez dire, mais quoi, je me suis mis dans une telle galère, je savais pas que c'était comme ça. Mais c'est la preuve que c'est une mitzvah. C'est la preuve que c'est une mitzvah. Il ne faut pas être étonné. Quand vous faites un choix qui est le choix de Dieu, quand vous faites un choix qui est le choix de la Torah, il vient avec un sacrifice. Le fait de délaisser, par exemple, tous les plaisirs, pas tous, mais certains plaisirs de ce monde, qui sont des plaisirs que certains considèrent comme essentiels dans le monde. Donc de là, on voit quoi? On voit que de la même façon, que en vérité, ce que voulait dire le rabbi de Kotz, c'est ce que je crois que j'ai compris du rabbi de Kotz, c'est qu'en réalité, et ça c'est très important à comprendre, c'est que les gens délaissent les mitzvot qui leur paraissent les plus simples parce qu'ils croient que c'est des choses simples, mais il n'y a rien qui est simple. Dès que ça c'est considéré comme une mitzvah, il faut savoir que ça va être une difficulté qui va s'associer avec. Même marcher en Eretz Israël, aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et même être juif à Paris ou à New York et ouvrir une gemara ou étudier ou faire un tehillim ou dans le métro ou écouter un shiur de Torah ou n'importe quoi qu'on peut faire dans le monde, puisque ça a une valeur dans le ciel, puisque ça a fait avancer la Géoula, puisque ça rapproche le Mashiach, puisque ça dévoile Hachem, il y a une opposition, il y a etc. qu'il soit intérieur, à l'intérieur de soi ou extérieur, les gens qui vous parlent ou qui vous embêtent, ou le travail, ou la parnassa, tout ce qui vous empêche d'avancer. Si un homme il dit « Ah, c'est dur, alors j'arrête », alors il ne fait pas partie de ce processus-là. C'est bien dommagé pour lui et pour son éternité, et surtout pour ce que je vous ai lu ici, toute l'influence qu'il doit avoir sur les autres, car chacun, sachez-le, dans sa neshama, il a un potentiel de convertir, d'influencer des gens autour de lui. Ça peut être peu, ça peut être beaucoup, chacun selon son tikkun, sa réparation, chacun selon ce qu'il est venu réparer, si c'est seulement lui-même, ou si c'est ses enfants, ou si c'est ses parents, ou si c'est ses frères et sœurs, ou si c'est etc., etc., à plus large terme. Mais chacun, il est venu pour ça. Et d'un autre côté, il faut évidemment ne pas se délaisser. Comme dit le Rav de Yavniel, le tzadik de Yavniel, il dit le chesen, comme elle m'a expliqué ma femme ce Shabbat qui a lu son livre, elle m'a expliqué, il dit le chesed ça commence avec soi-même, il faut se faire durer, la bonté ça commence avec soi-même, il faut d'abord se faire de la bonté à soi-même, ensuite on va avec sa femme et son mari, ensuite ses enfants, ensuite sa famille, ensuite le reste, ça va en grandissant, parce que si on ne commence pas par soi-même, nous on est manquant et on peut plus donner au bout d'un moment, on se vide, mais si on est continuellement en train de se remplir, on peut redéverser vers les autres. Mais on voit bien ne croyez pas que si maintenant c'est dur, ou si maintenant on s'attaque, c'est pas facile, c'est parce que c'est pas pour vous. Non, c'est parce que ça fait, c'est une mitzvah. Et c'est le talon de la mitzvah. On sait que, pour finir, c'est écrit dans le Zohar Kadosh que notre génération, la dernière génération, sont celles du talon du Mashiach. Le talon du Mashiach, c'est cette partie la plus tamée du corps, la plus impure du corps, mais qui en même temps soutient tout le corps. On est cette partie-là de Neshama de Adam Harishon qui est le talon d'Adam Harishon, le talon du Mashiach. Et de ce Ekev-là va refleurir, va repousser la beauté du monde tel qu'il avait été conçu à l'origine et qu'il avait été pensé par Hachem pour pouvoir que le peuple d'Israël puisse recevoir et le monde entier puisse recevoir le roi des rois, hein, et la bonté du roi des rois et tout ce que le roi des rois veut déverser sur le monde. Voilà. J'espère que Bezrat Hashem, c'est Aishmaya, il se roudra Beno Akadosh, je sais pas si j'ai dit Rainim Kacher Atzmi, les Cholat Tzadikim Amitim Shebedorenu au début, Cholat Tzadikim Amitim Shurna Afar, mais que Mamash en soit,
Que Hachem il nous aide à combattre ce Yetzerara, qu'il nous aide à faire les bons choix, qu'il nous aide à nous battre contre ce qui est cette force opposée qui nous empêche de réaliser ces mitzvot qui sont tellement importantes aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, simplement parce qu'il veut nous donner et que c'est le moyen qu'il a choisi pour nous donner. Et que nous, on serait trop stupide de ne pas vouloir prendre tout ce qu'il a à nous donner. Voilà. Chazak ou Baruch, refouah shelema, tout le peuple Israël, là où ils sont. Des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, qu'Hachem vous garde là où vous êtes, qui vous protège de tout mal, besoin d'Hachem, et qui vous aide dans tous vos choix. Amen, Kenny Ratson.